J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais tester un site de vêtements que vous connaissez sûrement tous. C'est Shein. Je sais pas si c'est Shein, Shine, comment on dit. Enfin bref, moi je dis Shein. Et du coup, j'étais le genre de personne qui se dit ouais, j'ai envie de commander, mais je sais pas. Alors du coup, je me suis dit pourquoi pas tester en vidéo. Ça pourrait être super sympa. Donc du coup, je me suis lancée. J'ai normalement commandé 13 articles que je vais ouvrir devant vous. Donc j'ai juste ouvert le paquet pour compter s'il y avait le nombre d'articles. Au final, je pense qu'il y a le nombre d'articles parce que j'ai pas sorti, je voulais pas voir en fait. Dedans, on ouvre. Il y a pour les nettoyer et après. Donc pour les nettoyer et après, il y a les lunettes de soleil. Donc super, j'avais peur vraiment de les recevoir comme ça à l'arrache. Parce que ma caméra elle est un peu plus basse. À l'arrache et au final je suis vraiment contente de comment ils sont arrivés. Ils sont super bien protégés je trouve. Oh, ils ont l'air trop belles, je suis trop contente. Ah j'adore. Voilà comment ils sont, avec un petit peu de doré ici, sinon elles sont toutes noires, elles sont grosses, j'adore. Hein, si vous avez vu mes autres vidéos, vous avez dû voir que mes lunettes de vue déjà étaient énormes et j'adore. On va voir ce que ça donne. Oh waouh. J'adore, je sais pas ce que vous en pensez, je kiffe, elles sont trop belles. Oh donc déjà, premier article, je suis très contente. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah ça, je crois que c'était une combine, déjà pochette sympa, bon voilà. Enfin, la pochette, je m'en fiche un peu parce que de toute façon, je vais les jeter. J'ai quasiment pris tout taille S, je crois que j'ai tout pris taille S. Donc là, la combinaison, c'est une combinaison short kaki. Elle est à 12 euros au lieu de 15 euros. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc elle est comme ça. Il y a des boutons devant. Juste là, il y en a un autre là. Il y a un petit nœud et des poches. Bah, la qualité, écoutez, elle a l'air pas trop mal. C'est une qualité de vêtement. Après, c'est une combi short. Hein. C'est pour l'été, hein, pour pas avoir trop chaud. Donc je vais essayer ça tout de suite, ça m'a l'air. Écoutez, voilà la petite combi short. Bon bah c'est une combi short, hein, forcément c'est un short, voilà. J'aime bien, bon bah par contre qu'on fait ça, voilà, c'est comme ça, mais bon ça ne me gêne pas trop. Avec un petit nœud là, donc en fait c'est une ceinture qui est directement accrochée là à la combinaison, donc on ne peut pas l'enlever. Donc comme je vous ai dit... Les petits boutons et il y a des poches. Alors moi je kiffe les poches. Quand il n'y a pas de poche, je suis un peu perdue. Je sais pas pourquoi. Il me faut des poches. Bon bah elle est sympathique. La couleur est bien. Au final, je vois avec mes fesses si ça fait transparent. C'est pas transparent. Je pensais, j'avais peur, non. La qualité, enfin le tissu il est agréable à porter, je veux dire. Elle est pas mal. Donc je valide aussi cette deuxième tenue. Donc ensuite, ah oui, un short, voilà, donc ce short là, waouh, il est trop beau, sur la photo il était super beau, il est à 5,60€ au lieu de 7€, souvent quand je vais sur Shein il y a toujours des promos, c'est ça qui est plutôt bien, voilà, donc j'aime bien la qualité, après j'ai l'impression qu'il est transparent lui aussi, donc je sais pas, vous devez entendre d'autres voix, c'est dehors, il y a mon frère, mes neveux et nièces. Il y a la pelouse qui est en train d'être tombée, donc je suis désolée pour le son. Voilà, je suis désolée, mais bon, j'espère que vous m'entendez quand même un minimum. Donc bon, enfin bref, donc un élastique là, donc voilà. Donc là ici j'ai pris aussi un taille, ah non j'ai pris XS. Voilà, XS, bon bah c'est un short, hein, je veux dire, comme j'ai vu que c'était comme ça. Bon bah la taille elle a l'air pas mal. Donc voilà le petit short. Voilà, petit short, je sais pas si vous voyez, il arrive comme ça, mi-cuisse. Hein. Je suis désolée, je ne pouvais pas voir tout mon corps et ma tête en même temps. Bah vous savez quoi, j'adore. Bijoux aussi, donc je vais d'abord faire les vêtements. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est la chemise longue. Ah non, c'est la blouse, ça c'est une blouse. C'est la blouse. Donc j'ai pris une blouse avec boutons et nœuds. Pareil, un pochette, une machin. Ah ouais, sur la photo, ça faisait pas trop ça. Bah si, ça fait ça, mais je m'attendais en fait à ce que ce soit plus court. Et vous allez rien voir. Ouais, je pensais que ça allait faire plus court et les manches moins longues. Bah au final, ça peut être pas mal.
J'ai pris taille S et au final j'aurais peut-être dû prendre une taille XS. Ah ben non, j'ai pris taille S parce qu'il n'y avait pas XS. Donc celle-ci, elle est au prix de 8,79€. Voilà. Je n'ai pas parlé de la matière. Elle est pas mal à porter. Voilà, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien. Pas avec ce short, après là je me rends pas compte trop de... Franchement là en ce moment je suis trop fluide, j'aime bien en fait. Je pense avec un pantalon blanc ou un pantalon beige là, comme pour rappeler un peu la couleur des boutons, ou marron, mais j'ai pas de marron, donc beige. Je pense que ça pourrait faire pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. J'adore. Je m'attendais pas à ça, je pensais que ça allait être plus court. Les manches plus courtes et au final je suis contente. J'aime beaucoup, c'est léger la matière. Je sais pas si on voit à travers, enfin voilà, là je sais pas. Je ne vois pas à travers, je suis plutôt satisfaite. Donc là les boutons, par contre le nœud, j'arrive pas trop à faire un joli nœud. Je sais pas, bon, à voir plus tard. Je suis satisfaite, mais j'aime bien, mais enfin je sais pas quoi. J'aime bien, mais je sais pas. Avoir avec avoir habillé avec un pantalon ou autre chose. On passe à l'article suivant. Ah oui. J'ai pris un petit ensemble. Short home. Short home. Taille S qui est à 10,40€. Donc, à voir. Donc, un haut comme ça, un crop top. Avec les manches. Enfin avec des petits boutons. Et les manches là un peu plus évasées, un peu plus super mignon. Ça je trouve ça fait vraiment élégant, ça fait classe. Donc voilà le haut, la qualité du tissu. Bon c'est pas une grande qualité de ouf, mais bon aussi quand on commande sur Chine avec les prix, faut pas s'attendre non plus à un truc de dingue. Mais bon pour l'instant les qualités sont plutôt pas mal. Avec un petit short à rayures rouges. J'aime beaucoup ce style de short, c'est fluide encore une fois. C'est fluide, j'aime bien la fluidité ces derniers temps. Pas mal, on va essayer. Donc voilà, je trouve ça plutôt mignon, j'aime bien. Je suis peut-être moins fan du haut, je le mettrai peut-être pas souvent, je sais pas. J'ai l'impression qu'on voit à travers, surtout que ces derniers temps, bon ça regarde pas grand monde, mais ces derniers temps je ne mets plus de soutien-gorge, alors voilà, quoi que j'ai mes cache-tétons, quoi que ça peut passer. Bah sinon j'aime beaucoup, hein, l'ensemble il est vraiment trop beau. Je suis à l'aise dedans, la qualité, bon le tissu est bien hein, franchement pour le prix 10,40€, c'est ça que je vous ai dit, pour le prix je veux dire c'est pas mal hein. Ouais moi j'aime bien, je valide aussi. Donc là il y a les petits boutons, donc je cache, je sais pas si on voit, donc je cache les petits boutons, les manches, j'aime beaucoup ce genre de manches. En général je suis gênée quand ça m'arrive pile poil là, mais là ça me gêne pas, peut-être parce que c'est un haut d'été, voilà, j'aime beaucoup. Blanc, les couleurs, l'été, les couleurs, mettez de la couleur, de la luminosité, pas du noir. Après le short, bah un peu plus fluide, un fluide aussi, hein, rayures rouge, noir, avec un petit nœud là, enfin voilà, après c'est un short quoi, hein, je veux pas blablater trop longtemps là-dessus, donc j'ai pris une taille S. Alors un t-shirt, j'aimais bien ce style de t-shirt, j'en ai jamais eu. Et j'aime beaucoup ce style là. Donc c'est un t-shirt taille S à 8,79€. Donc toujours hein, les zips. Par contre là j'ai l'impression que... Voilà. Ouais j'avais peur de la qualité au final. Bon c'est pas le... C'est pas un tissu de t-shirt. C'est plutôt un t-shirt, un tissu... un peu stretch, voyez, le tissu, je sais pas comment vous expliquer, c'est pas un tissu t-shirt en tout cas, mais en tout cas le dessin, les couleurs, j'aime beaucoup, il y a beaucoup de couleurs, je sais pas, je vais l'essayer et voilà, comme je vous ai dit, faut pas trop s'attendre à un truc de ouf non plus. Je vais pas dire que je suis déçue, je vais le voir sur moi. Bon, hein, j'ai gardé le short de l'ensemble. Bah, au final, j'aime bien. Je suis pas compliquée. Hein.
je suis pas compliquée. C'est juste la matière qui m'a. Mais j'aime bien en fait la matière, elle est agréable. Franchement, puis même si je veux pas le mettre comme ça, je vais être en pyjama, hein, tant pis. Non, au final, j'aime bien avec les petits extraterrestres, l'OVNI, tout ça, là, les couleurs. J'aime bien les couleurs en fait. Non, à vue d'œil comme ça, à le voir sortir, j'étais pas fan et au final, je suis bien dedans en fait. C'est ça que j'aime voir dans les vêtements, c'est si je suis bien dedans. Et que j'aime bien, tant mieux. Et comme là je me sens bien, bah, le t-shirt je trouve qu'il me va bien. Enfin bien, voilà, c'est un t-shirt ample encore une fois. Hein. Et j'aime bien. Voilà, je valide aussi. On continue dans les vêtements. Donc là, oui, c'est robe t-shirt. Voilà. Voilà, j'aime bien. J'aime bien, je... Et ben là, vous savez, la matière, c'est la même matière que le haut, là. Je sais pas. C'est vrai que j'ai pas de vêtements dans cette matière, en fait. Bah voilà, hein. On teste, on est là pour tester. On essaye, ce qui est bien, c'est que c'est stretch. C'est une matière... c'est une taille S. Je sais pas s'il y avait une taille XS pour celui-ci. Sinon j'aurais peut-être pris XS, je sais pas, parce qu'il m'a l'air bien large à voir porter. Sinon il est au prix de 9 euros. 7,19 euros. Voilà. Ça manque un peu de musique là, mais bon. Je ne vais pas mettre de musique, sinon vous n'avez plus m'entendre du tout. Bon bah voilà. Oh bah j'aime bien. Non, faites pas une taille XS, j'aime bien. Ça m'énerve. Franchement, bon bah la matière, hein, je suis bien dedans. Hein, voilà, donc vous voyez pas, mais on va remonter comme ça. Voilà, comme vous pouvez voir, je crois que c'est plus long derrière. Ouais, c'est plus long derrière. C'est plus long derrière, mais elle est plus longue, hein, là, c'est parce que je la remonte. Sinon, derrière, ça m'arrive au niveau du creux des genoux. Et devant, juste au-dessus du genou, donc c'est pas trop court, c'est pas trop long. Des manches longues, comme j'aime bien, je fais ça. Ça bouge pas, c'est ma taille. C'est pas trop large. Après, je me demande si avec une ceinture, ça pourrait pas faire bien. Ça pourrait faire pas mal, je pense. Franchement, j'adore. J'aime bien les rayures aussi. Hein. Je sais pas, j'ai pris 2-3 petites choses à rayures rouges. Je sais pas en ce moment ce que j'ai avec le rouge, mais j'aime bien. Non, voilà, j'aime beaucoup. Je suis bien dedans. Franchement, ça me gêne pas. Encore une fois, c'est ample. J'adore. Voilà, je valide encore l'autre article. Alors, une jupe longue. Celle-ci, c'est une jupe longue, je m'en souviens. J'attendais aussi celle-ci. Je sais pas pourquoi j'ai pris une jupe longue. Et au final, quand j'y réfléchis, j'ai en fait, pourquoi j'ai pris une jupe longue? Je regrette un peu déjà. Et au final, non, je regrette pas. Je regrette pas, j'ai pris une jupe longue. Mais je dis que je regrette. N'importe quoi. Donc voilà, oui, bah matière, hein, une matière de jupe longue comme j'aime bien. Vous savez, c'est les matières, ben, voilà quoi. Vous voyez bien? Très léger. J'avais pris quoi comme taille? J'ai pris une taille XS parce que bon, c'est une longue jupe. Là, je veux dire, c'est un élastique, hein, ça se doutait bien. Comme j'ai une petite taille et que j'aime bien que ce soit remonté bien à la taille, parce que j'aime bien quand ça remonte bien, et ben j'ai pris XS et elle est à 9,65€. Super, j'aime bien. Elle est bordeaux. Voilà, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je m'avance pas comme ça pour vous montrer. Donc là, un élastique. Elle est longue et ce que j'avais peur, c'était les finitions du bas. Et non, bah c'est comme... hein, comme une jupe qu'on peut acheter en magasin. Voilà, je suis pas déçue. Je suis vraiment pas déçue là. Je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente de l'article. Donc voilà, on va essayer. Voilà pour cette jolie jupe bordeaux. Je suis bien dedans, elle est fluide. Enfin, c'est exactement une jupe comme ça que je voulais. Bon, j'ai remis l'autre haut, hein, mais bon. Voilà. Elle monte bien à la taille. Donc je fais 1m67 et elle m'arrive vraiment. Alors j'ai pris de ma taille, de la taille vraiment, bah, au bas. Et elle m'arrive jusqu'en bas des pieds. Donc là vous voyez pas très bien, mais elle est ultra longue, elle est super, elle est bien portée. Voilà, je veux dire, j'aime bien, j'adore, c'est exactement ce genre de jupe que je voulais. Et bah voilà, je suis contente, j'en ai une enfin. Bon bah j'en voulais une noire. Mais bon, j'ai pris en bordeaux parce que je me suis dit non, pas noir, on arrête le noir. Donc voilà, donc je valide aussi cette jolie jupe. Ensuite, l'article que j'attendais le plus, c'est une chemise longue.
enfin une robe chemise. Allez, c'est une taille S et c'est, elle est à 12 euros. Donc voilà, toujours rayures, des petites rayures bleues. Qualité, ben qualité de chemise quoi. Voilà. Elle est longue, c'est vraiment le col d'une chemise avec une petite poche, des boutons tout longs, les manches longues, comme une chemise. Voilà, même là, comme une chemise mais longue. Voilà, on comporte en robe. Donc c'est une robe chemise du coup. Allez, c'est une taille S et c'est, elle est à 12 euros. Donc voilà, toujours rayures, des petites rayures bleues. Qualité, ben qualité de chemise quoi. Voilà. Elle est longue, c'est vraiment le col d'une chemise avec une petite poche, des boutons tout longs, les manches longues, comme une chemise. Voilà, même là, comme une chemise mais longue. Voilà, on comporte en robe. Donc c'est une robe chemise du coup. Voilà, on l'essaye. Voilà. Je sais pas. Après, elle est longue, hein, le devant m'arrive en dessous des genoux, derrière c'est un peu plus long, donc il arrive à un quart des mollets en dessous du genou. Voilà, j'ai pas boutonné jusqu'en haut, après sinon c'est une chemise longue, j'aime bien, une petite poche. Mais voilà, les manches sont un peu courtes, donc je pense pas le porter comme ça, je pense plutôt retrousser la manche comme ceci. Et puis j'avais l'idée de rajouter une ceinture. Je sais pas, je pensais que ça allait être plus large aussi. Je pensais qu'elle allait être plus large. Je sais pas. Je suis coussi-coussa pour celle-ci. Après, elle ressemble à la photo. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je pensais que ça allait être plus large. Ça me fait plus penser à un pyjama en fait. Je pensais que ça allait faire plus habillée. Après, peut-être parce que je suis pas en condition. Parce que je voyais ça porté avec des petites baskets blanches. Et je sais pas, pourquoi pas. Je suis pas convaincue par cet article quand même. Sinon, on voit pas à travers. Bon, la matière, voilà, elle est agréable. Elle est supportable à porter. On peut faire ce qu'on veut. Voilà. Tuc, les boutons montent jusqu'en haut, hein, ça peut faire aussi un style monter jusqu'en haut. Après peut-être que ça fera mieux avec monter jusqu'en haut. Ah j'adore. Ouais, en fait je préfère comme ça porter ouvert. Je sais pas, je ne savais pas si j'arriverai à ouvrir avec un collier. Je pense que ça peut faire pas mal, des baskets blanches comme je vous ai dit. À voir, franchement, à voir, je suis pas convaincue. C'est pas forcément mon vêtement préféré, mais à voir. Là j'ai le soleil qui me vient dans la tronche si je suis là. Enfin bref. Donc voilà, je crois que c'est le dernier vêtement de tout ça. Après, c'est des bijoux. Alors, premier bijou. Parce que du coup, ah bah on va pouvoir essayer. Donc premier bijou, il me semble que c'est un collier où il y en a plus, où ça fait trois colliers. Je suis bête, j'ai mon téléphone, mais non, je le prends pas. Ouais, c'est ça. Donc il y a trois colliers. Pochette, hein, voilà, tranquille. Il est au prix de 2,39€, hein, je veux dire pour 2€. Hein. Je mets pas souvent de bijoux et en plus, j'ai envie d'en acheter pour en mettre un peu plus souvent. Et quand je vois le prix des bijoux en magasin, ça me donne pas envie. Alors du coup, tous mes bijoux, comme j'en mets très peu et j'en mets quand j'y pense, voilà, je l'achète sur Wish, etc. Peut-être que quand j'en mettrai plus souvent, bah peut-être que j'en achèterai genre dans les magasins ou même en bijouterie. Par contre les bijoux de bijouterie je les mets plus facilement. Et voilà, de peur de les casser, je les mets pas forcément plus souvent non plus. Donc voilà ce collier, comment il se présente. Voilà, il y en a trois. Tac, deux. Le troisième. Ah il est là. Il s'est cassé. Je suis triste. Ah, je suis triste. Il y a un mauvais truc de fabrication là. Je sais pas si vous allez voir. Il y a. Ah merde. Bah peut-être en enlevant un truc comme ça, je pourrais peut-être le raccrocher. C'est pas grave. Pour 2 euros, hein, je veux dire. J'essaierai de le réparer comme je peux. Je vais essayer. Voilà, c'est pas dit que j'y arrive. Voilà. Je vais peut-être pas le mettre comme ça. J'arrive pas là, ça m'énerve.
J'ai l'impression que ça s'en mêle. Voilà. Ah, voilà. Donc là, parce que j'ai ma chaîne aussi, hein. Attendez, je cache ma chaîne. Voilà. Ça fait un truc comme ça. Comme ça, et normalement, ça, ça vient comme ça. J'aime beaucoup, j'adore ce genre de collier. Voilà. Ah, je kiffe. Bon, hein, je suis revenue. Au final, petit changement d'avis sur la chemise. Je l'ai portée un peu plus longtemps, comme j'avais plus de batterie dans mon appareil photo, j'ai dû le recharger. Comme je peux pas filmer en même temps de le recharger, bah du coup, j'ai attendu. Donc je m'y suis vue, au final, c'est pas mal. Ouais. Donc voilà, je l'aime plutôt bien. Voilà, c'est parce que je m'attendais pas à ça, du coup, je suis un peu déçue. Mais au final, elle est plutôt pas mal. Je verrai bien pour la porter, je verrai bien comment je vais la porter. Parce qu'au final, là, je trouve que... avec le collier là, je vous ai montré juste avant, ça fait pas mal. Donc oui, comme je vous ai dit, petit souci là que je vais réparer malgré tout. Mais j'adore ce genre de collier. Bon là, il est un peu mal mis le collier, hein, comme je peux pas faire autrement qu'il faut que je tienne. Et en même temps, je peux pas l'ouvrir. Voilà, je trouve vraiment trop beau. Ce système de trois, voilà, je trouve que ça habille complètement le décolleté. C'est magnifique. Donc voilà, je vais l'enlever comme il est un peu déjà... il est abîmé, je vais pas l'abîmer plus. Donc voilà, ensuite des bagues. Des petites bagues. Alors, les bagues, elles étaient... Ah j'ai eu peur, je crois que mon appareil photo s'éteignait. Les bagues 2,39€ et il y a 12 pièces dedans. Ok. Donc voilà, ils sont dedans. Ça fait très... très joli sur la photo. J'ai envie de voir si ça va faire aussi joli sur mes doigts. Faire comme la fille, mais bon, en fait, il y a des bagues qui sont trop grandes en fonction de comment elle c'était sur la photo. Donc bon, bah celles qui y étaient, je les ai laissées. Hein, donc du coup, voilà. Parce qu'en fait, je voulais surtout des bagues qui se mettent bah, à ce niveau-là. Et en fait, j'en avais déjà commandé sur Wish, et sauf que c'était trop grand, donc il fallait que je les porte en bagues toutes simples. Là, j'en ai deux, trois, deux surtout, qui se mettent aux phalanges. Et du coup, bon bah voilà, j'aime plutôt bien, ça va faire super. Bon, après la qualité, voilà, je pense pas qu'il faut s'attendre à un truc de goût. Enfin, c'est juste pour habiller mes doigts. Bon, il y en a, ils sont un peu grandes. Il faut que je les mette sur d'autres doigts, genre là. Enfin, genre là, elle met sur la phalange. Mais moi, je peux le mettre même à mon pouce, quoi, je veux dire. Après, tout le monde a des doigts différents. Moi, hein, c'est vrai qu'on m'a dit qu'ils étaient plutôt fins. Donc, voilà pour les bagues. J'ai pris des boucles d'oreilles. Donc, c'est des créoles. Un peu genre comment vous dire la forme, qu'est-ce que c'est que cette forme là déjà, comme ça. Bon alors là je l'ai pris dans les mains direct, la qualité n'y est pas du tout quoi, il est trop fin, regardez la tache. Voilà, à essayer. Donc j'ai pris du désinfectant et j'ai pensé à prendre du désinfectant et je les essaye et je vous remontre. Ah, je pensais que j'allais pouvoir le mettre dans mon trou d'écarteur parce que là c'est des écarteurs les deux. Mais au final ça va pas passer. Comment je mets ce truc? Je peux pas... ah, comme ça? Comme ça? Bah non. Enfin, je veux dire, c'est une boucle d'oreille. Comment je la mets? Regardez, si je mets comme ça, ça va pas. Voilà, alors là, si je la mets... Ah ben voilà! Ok, super, la fille ne sait pas mettre des boucles d'oreilles. Ok. Voilà. Donc voilà, ça fait comme ça. Ça paraît peut-être bizarre, bon là je sais pas si vous les voyez en fait, elles sont tellement fines. Je suis pas convaincue par cette paire de boucles d'oreilles. Je suis pas convaincue du tout même. Sont trop fines, on voit qu'il n'y a pas de qualité du tout. Bon, après elles sont pas chères, donc voilà, faut pas s'attendre à un truc de ouf. Et dernier petit bijou, c'est un bracelet de cheville et j'ai encore la batterie qui est... ça m'énerve, il va falloir que je rachète une. Voilà, il est trop beau.
Je vais l'essayer, mais je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, à moins que je sois très souple. Voilà, il fait bien, ça fait vraiment brasser de cheville. Voilà, il est bien. Pas de problème sur celui-ci. Alors, je vous ai pas dit le prix. Il est au prix. J'ai dit, je fais partout aussi. De 1,59€. Donc voilà, et du coup comme je vous ai parlé au bout d'un certain nombre d'articles, je sais pas au bout de combien ou lesquels, on a un petit cadeau, il y a une sélection déjà et on choisit, sauf que bah c'est gratuit hein, évidemment. Sauf que moi sur la photo j'ai choisi ça. Donc moi je pensais que c'était un petit sac qu'on met dans son sac à main. On met dans son sac à main quand on va faire des petites courses, on a besoin d'un petit sac, on sort de son sac à main, voilà. Et en fait c'est pour ça que j'ai senti dans mon colis, j'ai senti que j'avais un sac, je me suis dit je sais pas commander de sac. Voilà, en fait il est beaucoup plus grand, voilà. Donc d'un côté c'est pas mal hein, je veux dire, il est vraiment joli, c'est effet, oh mince comment. Oh merde, je me souviens plus cet effet. J'adore cet effet. Voilà, hop, il y a une fermeture. On l'ouvre, voilà, petit sac. Bon, on peut changer, on peut régler. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu. Hop, ça peut faire un petit sac bandoulière. Voilà, oh, plutôt pas mal. Après, voilà, la qualité a l'air pas mal. La fermeture, elle est bien assemblée. Une petite place pour mettre un porte-monnaie, son téléphone. Voilà, tout simple, voilà, je vous mettrai peut-être, je sais pas, à voir, mais il est sympathique, j'aime bien la bandoulière, j'aime bien aussi, c'est sympa, ça change aussi, j'aime bien ce genre de bandoulière qui est différent du sac mais qui rappelle quand même avec ces petites touches là le sac, mais j'aime beaucoup, ça donne un petit côté décalé, voilà, je sais pas trop, je dis peut-être des conneries, mais bon voilà, c'est mon avis. Donc voilà, plutôt pas mal comme petit cadeau, voilà. Bah voilà, c'est tout ce que j'ai commandé sur ce site Shein. Je suis agréablement surprise, c'est ce que j'espérais, et je suis satisfaite, je suis contente. Si je devais dire un article préféré, donc dans les accessoires, mon article préféré, je dirais c'est joli, cette jolie petite paire de lunettes de soleil. Et le collier en deuxième. Après niveau vêtements, je dirais peut-être ce short. Je sais pas, je suis satisfaite de tous les articles que j'ai eus. Peut-être ce short et cette chemise au final. Je la porte depuis tout à l'heure, je suis bien dedans. Au final, non. Au final, ça aurait peut-être été plus large, je n'aurais pas fait si beau que ça. Je suis satisfaite. Repasser tout ça quand même. Hein. Voilà, les de mes deux articles préférés. Après l'article où je suis plus déçue, bah c'est les boucles d'oreilles. Mais bon après je veux dire, ils étaient à 1,59€. Voilà, ce que je suis déçue c'est qu'elles sont fines. Là c'est pas. Je comprends pas pourquoi le système est comme ça. Du coup ça fait qu'ils sont comme ça, mais elles retombent. J'aime pas trop. Après, je veux dire, j'ai commandé des boucles d'oreilles sur. J'ai déjà commandé des boucles d'oreilles sur Wish au même prix. C'était pas ça, elles étaient de meilleure qualité. Voilà, je suis satisfaite des achats que j'ai faits, à part ces boucles d'oreilles, mais sinon tout le reste, je suis contente de ce site, je pense que je vais continuer, et peut-être pourquoi vous pas recommander, vous refaire des vidéos de ce que j'ai choisi, et ben voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a plu cette vidéo, et dites-moi le genre de vidéo aussi que vous aimeriez que je vous fasse, ou les marques que vous aimeriez bien que je vous teste, et je le ferai avec plaisir. Je vous dis à bientôt, salut !